vous êtes tous, c'était Zone 51. Je vous retrouve pour une vidéo de glitch sur GTA 3, donc un vieux jeu sorti en 2002, pour passer directement à la troisième île sans l'avoir débloqué. Donc vous allez à l'hôpital, donc soit vous suicidez, soit vous allez en face de la station de métro. Vous pouvez prendre partout dans la ville. Vous prenez n'importe quelle voiture, mais vraiment n'importe quelle. Ça peut être un camion, ça peut être une petite voiture, ça peut être la voiture plus rapide. On s'en fout littéralement. Et puis après, là, vous allez là, vous faites le code voiture clouée au sol. Donc c'est Corners Like Mad. Et ça sera écrit sur l'écran normalement. Vous allez vous appuyez sur le bouton klaxon qui va vous faire faire des stunts, enfin des sauts méga hauts. Et après, vous sautez là, vous montez jusqu'à sur la deuxième. Vous, pas besoin de faire comme moi, vous pouvez passer directement à la première par la route. Puis vous allez là où il y a les vitres, vous rentrez et vous allez vers la droite et vous allez tomber dans un glitch, enfin dans un bug visuel, et là vous popez dans le tunnel fermé qu'il y a sous la ville de Staunton qui s'ouvre que quand vous avez réalisé certaines missions. Donc ce code est ce glitch est accessible à partir du moment où vous avez réussi à faire toute, enfin à arriver sur la deuxième île tout simplement. Puis après vous pouvez y aller, il y a l'aéroport, il y a vous pouvez dormir dans votre nouvelle maison, il y a les flics, il y a des voitures, il y a pu, il y a ça, c'est toujours la même chose. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie les chaînes de glitch si jamais elles m'uploadent, parce que c'est quand même un vieux jeu et qui vaut plus rien en ce moment. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment très bien et ça peut quand même être utile s'il y a des gens qui l'utilisent. Voilà. Donc, et comme ça, vous voyez, on prend le petit tunnel tranquillement. Donc vous voyez, avant il n'y en avait pas hein, de voiture, mais à partir du moment où on arrive sur la vallée chez Overside, on a tout de suite. Et là, voilà, on sort et on peut aller directement jusqu'à l'aéroport. J'espère que cette vidéo de glitch, enfin cette unique vidéo de glitch sur ma chaîne avec un boost stunt vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à aller voir ma chaîne si ça vous plaît. Et ben je vous dis ciao à la prochaine, bye bye.